bouche, ta vie a un goût d'aventure. Zora rebelle, Zora l'espoir t'appelle, toi la sauvage à nos cœurs purs, mon cœur pur. Pieds nus dans ta course, tu vas toujours vers la source de la liberté. Sur le monde entier. Zora la rousse, ton lit est fait de mousse, et tu dors à la belle étoile. Zora fidèle, Zora tu es le sel, accroché à ton idéal. Zora et sa bande sont installés chez Gorion. Ils font une pêche au thon presque miraculeuse. Le vieux pêcheur a beaucoup de mal à vendre son poisson, car refusant de céder son droit de pêche à une grande société, il est mis à l'index. Au marché, la bande est repérée. Elle prépare une grande mise en scène pour effrayer les gendarmes. Demi-tour sur un chemin aussi étroit. Oh, je vous ai pourtant fait de grands signes, mais vous ne l'avez rien vu. Il n'était pas assez grand, alors. Mais dites-nous, tu ne me reconnais pas? Tu es Branko Babic. Zlata? Vous êtes mademoiselle Zlata? Oui. Laisse-moi descendre, tu veux. Vous voulez quand je tourne la voiture à votre place? Non, j'y arriverai. Allez-y, braquez à droite. Ouais, c'est ça, vous tracez maintenant. Vous voyez tout droit. Ratez. Marche arrière. Allez-y bien, allez-y, braquez. Ça va. En avant. En avant. C'est bien ma chance. C'est ce clou qui l'a crevé. C'est notre chauffeur qui change les roues crevées. J'y arriverai jamais toute seule. C'est rien, laissez-moi faire. Je vous dois bien ça. Si l'autre fois vous n'étiez pas intervenu pour me sauver de tous les collégiens. Oui, tu seras en prison aujourd'hui. Ouais, je le sais. Pourquoi tu n'essaies pas de développer tes connaissances de mécanicien plutôt que de perdre ton temps comme ça avec des voleurs? Oh non, écoutez, ce n'est pas des voleurs. Ah, tu crois ça? Alors d'après toi, qu'est-ce que tu crois que c'est? Alors, tu y arrives? Vous inquiétez pas, vous allez voir. Si je reste avec ces voleurs, comme vous les appelez, c'est qu'il y a qu'eux qui ont voulu de moi. De toute façon, tu dois bien admettre que vous ne faites rien d'autre que de vous promener et de voler. On n'est pas des voleurs. Mais ça, il n'y a que vous à le penser. Est-ce que c'est toi, le chef? Non. Oh non, loin de là, c'est Zora qui nous donne des ordres. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une fille qui vous donne des ordres à tous? Et vous obéissez sans discuter? Zora est une fille formidable. Oh bon, d'accord, je te crois, ne me mets pas en colère. Je me mets pas en colère? Mais je ne comprends pas pourquoi vous gaspillez votre temps au lieu d'apprendre des choses utiles. Oh ben, nous, on serait d'accord, au contraire. Et ben alors? Je vous l'ai déjà dit, personne ne veut nous aider. C'est terminé. Bon, qu'est-ce que je te dois? Bah, rien du tout. L'autre fois, vous m'avez rendu service. Aujourd'hui, c'est à mon tour.
Non, je veux rien. Je vous dis que je suis pas un mendiant, gardez votre argent. Mais je ne veux pas te payer. C'est un cadeau pour toi. Je pensais l'offrir à mon petit frère. C'est vrai? Oui, prends-le. Non, attends, dis-moi, toute cette histoire de soi-disant fantôme, c'était vous le responsable? C'est un secret, surtout ne le répétez pas! C'est elle qui te l'a donné. Qui ça? Cette grande bécasse de Zlata. Nous suffiront. Pourquoi seulement 10? Parce qu'on ne peut pas en vendre plus par jour. Où est-ce que tu étais, toi, encore? Ça suffit pour aujourd'hui. On retourne à terre. Demain, on fera la même chose. On a rarement réussi à pêcher d'aussi gros poissons dans la région. Et on aurait pu en attraper plus si Branco ne partait pas tout le temps. Mais laisse-le tranquille une seconde. T'auras raison, laisse Branco tranquille. Oh, et pour ça, t'as trouvé tout le temps, hein? Tu étais toute la journée? Oh, un peu partout, surtout sur la plage. Oui. Oh, t'as qu'à me le demander. Moi, je sais très bien où il était. Oh, c'est inquiété pour toi. J'ai cru que tu t'étais noyé. Oh, bah, t'as aucune raison de t'inquiéter. Oh non, alors, aucune raison. Et si je te dis ça, c'est que je sais très, très bien. Oui. Notre joli cœur s'est entiché d'une fille de la haute. Oui, parole, il s'est entiché. Je vois vraiment pas ce qui vous fait rire. Si tu continues à me suivre et à m'espionner, je te préviens que je te casserai la figure. Quoi? À moi? On va régler ça tout de suite. Non, arrêtez de vous battre! Mais vous êtes devenus fous ou quoi? Vous avez oublié que vous êtes des ouscoques tous les deux. Vous devriez avoir honte de vous. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Branco voulait casser la figure à Duro. Tais-toi, Nicolas. Bah, c'est pourtant la vérité. Tout ça parce que Duro prétend que Branco court après une fille. Ah, est-ce que t'as réussi à la rattraper, au moins? Comme si elle consentait seulement à le regarder. Pourquoi elle ne le regarderait pas? Parce que c'est la fille du maire. Mmh.
alors il fréquente la haute, notre branco. Il veut être le gendre du maire. Il veut être le gendre du maire. Ah, laissez-le tranquille, alors. Et alors, tu racontes que tu les as vus? Où est-ce que c'était? Ah ouais, c'était sur la place du marché, il trottinait derrière elle comme un toutou. Et pourtant, c'est une demoiselle de la haute. Et ces filles-là ne voient que des garçons de leur rang. Mais je les ai pourtant vus ensemble. Grand idiot. On va tous en barque jusqu'au rocher. Tu viens, Zlata? Oui, voilà. Mince, il y a du monde aujourd'hui. On dirait le rocher des sages. Ce sera peut-être mieux tout en haut. Bonjour, mademoiselle Zlata. C'est toi, mais d'où est-ce que tu sors comme ça? Assieds-toi. Ben, je suis tout mouillée. Oh, ça ne fait rien. Est-ce que tu sais déjà en jouer ou pas? Tu me le prêtes? C'est facile comme tout. Tu sauras tout de suite en jouer. Oh, c'est très joli. Et c'est pour moi? Et où tu l'as trouvée? Par là, elle était tout au fond, là. Et tu es allée aussi bas? Mais c'est très dangereux, non? Ouais, on dit que c'est dangereux. Et si tu n'étais pas remontée? Personne n'aurait pleuré. Ta Zora aurait sûrement eu du chagrin. Oh non, c'est la Zora de personne. Peut-être, oui. Pourtant, tu obéis aux ordres qu'elle donne à tous. Mais ce n'est pas toujours très innocent. Tu sais, cette histoire de fantôme aurait très bien pu attirer des ennuis importants à mon père. Mais non, plus personne ne croit aux fantômes aujourd'hui. Mais si, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Le bruit des vagues. Et qu'est-ce que tu as à me regarder? Mais rien du tout, pourquoi? Dis-moi plutôt s'ils savent que tu es ici avec moi. De qui tu parles? De Zora et de la bande. Regardez, c'est lui, c'est le voleur! Et il a le culot d'être avec ta sœur. Hé, hey, toi en bas, qu'est-ce que t'es venu voler ici? Ne leur réponds pas. Je suis pas un voleur, voleur. Ne fais pas attention, ils s'arrêteront bien. Voleur. Qu'est-ce que tu fais avec lui, Zlata? Vous allez vous arrêter de crier? Toute la ville le recherche et toi, au contraire, tu le protèges. Ah, va-t'en vite. Montre-moi ta carte d'entrée. Il n'a pas, il paye jamais. Ouais, il n'a pas payé, viens de ici. Viens de ici, tu m'entends? Attends que ça va. Viens, mais attends. De nous deux, tu as tout raconté. Non, je suis pas un traître. Arrêtez tout de suite, vous entendez? Arrêtez. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore cette fois? Branco a tout raconté à cette Zlata. Demande-lui de t'expliquer qui lui a offert cette harmonica. Je sais très bien qui lui a offert.
viens ici. Qu'est-ce que tu fais en ville? Tu sais pourtant très bien que la police te recherche. Qu'est-ce qui se passerait si on te voit? Allez, tâche-toi. Bonjour, mademoiselle Nina. Tu peux sortir. Qu'est-ce que t'as là? Des raisins pour mademoiselle Zlata. Jamais elle en aura mangé d'aussi frais. Je suis spécialement allée les cueillir. Elle est jolie. Hein? Je vois que cette Zlata a l'air de beaucoup te plaire. Et à ta place, moi aussi, je lui ferai des petits cadeaux. Est-ce que vous savez où elle est? Oh, tout le monde sait qu'à cette heure, elle est en train de prendre son petit déjeuner. Elle est dans le jardin, je viens de la voir passer. Merci, monsieur Ringelnatz. Attends, ne dis rien. Hein? Et surtout, va pas lui raconter que c'est moi qui te l'ai dit. Non, non, n'ayez pas peur. Ça. Dis-moi, à qui tu as volé ces jolies grappes de raisin? Non, je les ai pas volées, je les ai cueillies. Oui, mais dans le jardin de qui? Arrêtez de m'interroger tout le temps. Assieds-toi. Et puis arrête de me dire toujours vous. Je ne suis pas ta tante. Bon, si tu veux. Voilà. Ça, c'est une serviette. Et bon appétit. Vas-y, mange. N'aie pas peur, c'est pas empoisonné. Et maintenant, dis-moi pourquoi tu es venue. Fallait que je vienne te parler. Je voulais absolument te convaincre que j'étais pas un voleur. Mais toute la ville te considère comme un voleur. Tu as le front en sueur. Ouais. Mais en tout cas, c'est courageux d'être venu. Il faut que je te dise que j'attends mon père. D'accord, je pars tout de suite. Seulement, j'insiste encore et je te demande de croire ce que je raconte. Très franchement, on n'est pas des voleurs. C'est pas ce que racontent les autres. Qui c'est, les autres? Karaman, Slavko. Tous. Écoutez, ce que tu dis, tu crois plus ton frère que moi, alors. J'ai des raisons. Par exemple, qui a lâché les animaux du forestier? Et qui a ouvert les vannes du meunier et a envoyé ses poissons dans la mer? Écoute, à chaque fois, on avait de bonnes raisons de le faire. Bon, explique ses raisons, alors. C'est pas si facile. Tiens, allez, avale ça et raconte. On n'est pas des voleurs, et c'est ça qui compte. Bon, et ensuite? Et on s'appelle entre nous la bande des Ouskov. Oh, écoute, c'est pas drôle. Et comment vous les avez découverts? C'est le père Gorian qui nous en a parlé. Alors on les copie à notre manière à nous. C'était les chevaliers les plus courageux de l'Adriatique. Oh, c'est peut-être très beau de jouer les Ouskov, mais ce serait mieux d'aller à l'école au lieu de se cacher de la police. Peut-être. Bon, et alors? Personne ne nous croit, même pas toi. Qu'en sais-tu? Allez, maintenant, il faut que tu partes. Écoutez tous. Une communication du conseil municipal. Écoutez tous. Et vas-y, Josip. Avis à tous les pêcheurs. Dans la tête que va faire Gorian. Le conseil municipal tient à faire savoir qu'à partir de maintenant, tous les pêcheurs seront dans l'obligation de faire une demande de licence pour vendre au marché. Il s'agit d'une mesure prise dans l'intérêt de tous. Pour tous ceux désireux d'avoir le droit de vendre au marché, les feuilles nécessaires leur seront remises à leur demande. Ces formulaires devront être remplis sans le moindre délai par les intéressés et accompagnés d'un timbre fiscal, avant d'être déposés à la mairie pour la régularisation indispensable. Les contrevenants seront passibles d'une amende. Ces dispositions entrent en vigueur dès maintenant, par décision de tout le conseil municipal et du maire, le docteur Yves. Lâche-moi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu ne laisses pas les autres tranquilles? Mais lâche-moi! Avant de t'avoir fiché une correction. Arrêtez, arrêtez au nom de la loi! Mais de quelle loi? Celle de bandits comme cet oiseau-là? Je ne veux pas de bagarre sur la place publique, hein. Attention, si vous désobéissez à un représentant de la loi, vous serez immédiatement mis en prison, hein.
En prison? C'est ce gredin qui devrait être mis en prison. Tu n'as pas les papiers indispensables à la vente de tes poissons, il te suffirait de les montrer. Et qu'il montre ses papiers? Oui, Radic a raison. Tu as entendu pourtant qu'il te faudrait maintenant une licence pour avoir le droit de vendre ton poisson au marché. Il y a 40 ans que je pratique de cette façon-là, je ne changerai plus maintenant. Dis-moi si tu as la licence demandée ou non. Il l'a pas. Très bien, alors c'est clair. Disparaît d'ici en vitesse. Mon visage d'honnête homme remplace les papiers. On n'a pas besoin d'autre. Et si après ça, quelqu'un n'est pas content qu'il vienne me le dire, je l'attends point ferme. Il faut absolument faire quelque chose. Ah oui, mais quoi? Et où est-ce que tu étais? Juste à côté, mais j'ai tout vu. Tout ça semble tout monter contre le père Gorian. Alors trouve un moyen de l'aider au lieu de toujours penser à cette Zlata. Arrête, Douro. Essayons plutôt tous de trouver comment on peut l'aider. Attends, j'ai trouvé quelque chose. Oui, essaie. Et celui-là? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors vas-y, explique. Il faut d'abord faire plier ça, Radic. Mais comment? Attendez, vous allez comprendre. C'est là. Venez, suivez-moi. Prenez ces vieux poissons, là. Zora, trouve-moi une ficelle. Bah... Oh, dis donc, qu'est-ce que ça sent mauvais? Bien. Ça ira? Très bien. Au revoir. Bonjour, Madame Radic. Bonjour. Je voudrais ce poisson-là. Vous avez peut-être de la monnaie? Non, fiche le camp. Attendez, je vais en prendre un autre. Le gros ou le petit? Le gros. Ils sont vraiment très frais. Oh, oui, je vous le garantis. Voilà. Au revoir. Tenez. Bonjour, monsieur Riegelnatz. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Toute cette marchandise est très fraîche. Il n'y a pas d'odeur ici. Oh, mais je suis pas fou. Eh, vous autres, venez donc sentir ça. Regardez un peu celui-ci. Non, c'est pas grave. Non, mais laissez tomber mes poissons, voyons. Depuis quand est-ce qu'on touche à la marchandise quand on n'achète pas? Écoutez, moi, je suis prêt à payer, mais je veux que ce soit frais. Je dirai à mon patron tout à l'heure s'il voit, je lui rapporter du poisson pourri. Ah, c'est du poisson pourri que je vends? Mais vous êtes devenu fou. Mes poissons sont sûrement les plus frais ici. Ouais. Mais vous devriez aller vite vous en débarrasser dans la mer. Quoi? Ou bien vous risquez d'empoisonner ceux qui pourraient en manger. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il est complètement... La police! Appelez la police! Tu vas te taire, toi. Alors, non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que vous avez à faire ce vacarme, là? Je crois que vous arrivez à temps. Alors, ne me retardez pas. Monsieur le gendarme, je crois qu'on essaie de nous empoisonner en nous vendant d'une façon parfaite. Hein? Alors, non seulement il est en situation illégale sur ce marché, et en plus, il ose venir vendre de la marchandise à Marie. Non, 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 c'est pas lui, c'est elle. Ah ben, voyons ça. Mais qu'est-ce qu'il a insisté? Ah oui, il a raison. Ouh, ça, ça sent vraiment mauvais. Non, enfin, puisqu'ils sont frais. Qu'est-ce qui se passe? Sentez dans ce poisson. Mais il est tout frais. Mais il sent rien d'anormal. Vous sentez quelque chose, vous? Non, je ne sens rien. Oh, évidemment, vous êtes tous les deux au bistrot depuis je ne sais combien de temps. Vous ne sentez rien après tout cet alcool. Quoi? Est-ce que vous osez prétendre que je bois? Mais t'as l'air d'oublier à qui tu parles. Oh, alors ça, c'est insupportable. Eh ben, voilà, maintenant, je ne sens plus rien du tout. Oh, mais attendez, voilà, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'ils font là, ces vieux poissons, hein? Pourquoi est-ce que tu les as mis là? Oh, ça, alors, t'as passé toute la matinée au bistrot à boire avec ce gendarme? Et maintenant, tu oses m'accuser d'avoir mis ces vieux poissons ici? Mais je le reconnais, reviens ici, toi. Il est de la bonne façon, la rousse. Ils sont rien, tu paieras ça très cher. Et courez, au lieu de parler. Mais arrêtez-le! Zora la rousse, Zora belle et farouche, ta vie est un goût d'aventure. Zora rebelle, Zora l'espoir t'appelle, toi la sauvage à nos cœurs purs, nos cœurs la course, tu vas toujours vers la source de la liberté.
sur le monde.